je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alliance libre de les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Ses mains l'ont façonné. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cri
psaume 8. Enfin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Psaume 144. Ses œuvres.
Il retient tout ce qui tombe, il redresse tous ceux qui sont courbés. Justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. La paix, il le fait, il entend leur cri et sauve. Louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je veux dire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Gloire, Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Psaume 99. Cantique d'Isaïe, page 306. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, lavé dans le manteau de la justice. Ses germes, comme un jardin fait germer ses semences. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Ô Sion, je ne me tairai pas, ô Jérusalem, je n'aurai pas de cesse. Nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur énoncera. Et tu seras une
Car tu plais au Seigneur, et ta terre aura un époux. Car je n'en ai pas vu la vierge, ton architecte t'épousera. Et comme le mari se réjouit de son épouse, en toi ton Dieu prendra sa joie. De Saint Irénée au IIe siècle. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable quant à sa puissance et à sa grandeur pour tous les êtres faits par lui. Toutefois, il ne leur est nullement inconnu pour autant, car tous apprennent par son Verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu Père qui contient toutes choses et donne l'existence à toutes, selon ce que dit aussi le Seigneur, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. » Ainsi, dès le commencement, le Fils est le révélateur du Père, puisqu'il est dès le commencement avec le Père. Les visions prophétiques, la diversité des grâces, ses ministères, la glorification du Père, tout cela, à la façon d'une mélodie bien composée et harmonieuse, il l'a déroulé devant les hommes au temps voulu pour leur profit. En effet, où il y a composition, il y a mélodie. Où il y a mélodie, il y a temps voulu. Où il y a temps voulu, il y a profit. C'est pourquoi le Verbe s'est fait le dispensateur de la grâce du Père pour le profit des hommes, pour lesquels il a accompli de si grands mystères, montrant Dieu aux hommes et présentant l'homme à Dieu, sauvegardant l'invisibilité du Père pour que l'homme eût toujours vers quoi progresser, et en même temps rendant Dieu visible aux hommes par de nombreux mystères, de peur que, privé totalement de Dieu, l'homme ne perdît jusqu'à l'existence. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donne-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ?
Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : Montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes. Puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ce d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous a cher oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il célèbre avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Il annoncera son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleillement il vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de nos ténèbres. Gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire
Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Hier crucifié avec le Christ, je suis aujourd'hui dans la langue du peuple de la première alliance, Dieu notre Père, nous te bénissons. Avinu sheba shamayim, yitkadesh shemcha, tavor malchutecha, yi'aseh Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.